Hey, salut tout le monde, c'est Luxuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur GTA 4. Oui, entretien, je le sais, bonjour. Final Interview. J'aime bien, avant c'était Final Interview, trois petits points, et maintenant c'est trois petits points, Final Interview. Bon, j'attends comme ça pendant 2 heures. Ah non, c'est bon, ok. Fallait juste que je bouge un petit peu. Please, Buzz. It's Nico Bellic. I'm here for an interview. Come in, I'll buzz you through. Ok. Voilà la réception. Bonjour. Ok, bon, je pense qu'il faut. Goldberg, Ligner and Shyster, sir. Le cabinet Goldberg, blablabla. Ok, Mr. bonjour. Malik, welcome. I'll just see if Mr. Goldberg is available. Mr. Goldberg, Mr. Bellic has arrived for his interview. Ok, great. Tell him to come through to my office. Would you please follow me, Mr. Bellic? Sure. Sure. Oh, il va falloir la suivre comme ça. Ok. Ok, très bien. Mr. Goldberg is such a saint. He teaches kids to swim. He's just so warm and giving. All he cares about is making the world a better place. And boy, are you in trouble if you get in his way. I always get nervous before interviews. C'est ici. He's just in here. Don't be nervous. He doesn't bite. Ok, bon, on rentre. Hello, Nico. What's that short for, Nikolai? I'm looking for a man who can get jobs done right. Nikolai, I like your resume. You seem to be the sort of man who would... Il aime notre resume. I just need to take another look. Get myself reacquainted with your experience. Attendez, je veux voir... Bonjour. So you're the sort of man who doesn't wait to get told what to do. Ah si, on peut le faire quand on veut. Ok, d'accord, désolé, désolé. Oh, il a pris cher. On récupère les dossiers. Vite, 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 vite. Ah bah ils sont là, ok, très bien. Les dossiers que l'on veut sont pile sur le bureau. Ok. Ok. Oh, ouais. Oh, je voulais tirer sur la meuf. Je voulais tirer sur la meuf, pas sûr. Oh, oh. Tiens. Oh, oh, oh. Les gars. Merde, c'est pas par ici. Ce n'est pas par ici. Bon, du coup, j'ai racheté des armes aussi en off. Bon, j'avais le temps finalement. Hop, hop. Il y a un gars là. Voilà, c'est bon. Tout se passe bien. Hop, on saute par ici. Oh putain. Cette sortie est verrouillée. Ok, bon, on va... Oh merde! Oh putain! Ah oui d'accord, moi j'étais pas au courant. Wow! Wow! Ils sont beaucoup! Mais cassez-vous! Ok, attends, hop! Casse-toi! Au moins ça marche bien. Oh, allez, on va prendre la voiture de flic. Oh, tiens, il est là! Putain, je vais prendre trop cher. Allez, je me casse. Putain, j'ai 3 étoiles. Ouah, du coup, je peux écraser les gens comme je veux. Hein, ça c'est bon. L'hélico. C'est une mauvaise idée. On va passer comme ça. Hop. Merde. Ah oh, oui, d'accord. Le... Oui. Ouais, les flics sont là. Donc, bon, ok. Ça, c'est pas bien. On va passer comme ça. Dans les rues au moins ils seront un petit peu moins présents. Et là, je prends des filles bien sûr. Hop, on passe comme ça. Et en face, normalement, il n'y a plus personne. Bon. Bon, ça va. Pour éviter les flics sur ce jeu, c'est super simple. Par rapport à GTA 5, s'il y en a qui ont déjà joué. Qui n'ont jamais joué à GTA 4 et qui ont déjà joué à GTA 5. Je vous le dis tout de suite. Hein, c'est... Par contre, en fait, à chaque fois, je vois qu'il y a des petits flics, mais il me semble que c'est dans le métro qu'ils sont. Ils sont dans le métro, c'est pour ça que quand on est là, enfin, quand on est à côté d'eux, à côté des points, ben, ils nous voient pas. Et surtout qu'il y a une petite flèche qui pointe vers le bas. Enfin, dessus. Bon. Hop, attention, je suis de la police. Poussez-vous. Arrêtez-vous. Bon, à chaque fois, je mets les sirènes, mais je me dis, non, c'est pas... C'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est... Hop, 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 hop.
ça fait du bruit. Et d'ailleurs, je rate la sortie, j'avais pas fait gaffe. Enfin, je rate la sortie. Je rate le virage. Ah, je sens que c'était peut-être le commentary de trop, là. Ouh, j'ai la gorge qui me fait mal. Je fais... Enfin, le commentary. Je fais deux... Que non, c'est par là-bas. Mr. McCreary. Ils sont quand même assez moches, les personnages de GTA 4. Ça fait assez flippant. Here are the files. Great. Peace at last. I feel cleansed. You silenced Goldberg too, right? I don't need to worry about him. He's done. He's done. Whoa, music to my ears. A weight has been lifted. Here's your payment. Mille, c'est tout. Putain, il est vraiment pas généreux. Bon, du coup, on retourne ici, hein, c'est juste à côté. Holland Knight. Sure, Ma, on va sure. voir Monsieur Holland. I've always been a good boy. You know me, Ma. Yes, I'll make commissioner. No, I don't care about Packy. Listen, Ma, I've gotta go. Love you too. Good to see you. I'm sure. You know, it's funny, but I see a lot of me in you. You know why? No. You know there's no good and no evil. Just shades of fucking gray. Whatever. 50 shades of gray. Things 1% better, that's enough. That's our duty. If you say so. Oh, I do say so. I want to make things a bit better. By any means necessary. And you, what do you want? I want to get paid. Sure. Yeah, sure you do. So listen, I got something I need you to do. This is the last time. Of course. C'est la deuxième fois. Some drug dealer is holed up in a tower block in East Holland. Now, this scumbag's been pushing drugs, pimping women, you name it, he's done it. I need him dealt with. Isn't that police work? Sure. And the moon is made of cheese and the streets is paved with gold. Wake up! Excuse me? The guy's guilty of sin. He is sin! But it'll take me a year to get the evidence. More, maybe. And maybe good men will get taken down by that evidence. Maybe people make mistakes. But this guy is scum. How much? Oh, how much? Good money. Two G's. Two? You mean five. You know, if someone was to tell me you were some fresh off the boat killer with more balls than brains, I'd say he was about right. Okay, you got a deal. Head on up to Vox site and call me. Jeez. 5000, putain. Et il râle. Et il râle. Bon, vas-y, je vais prendre une voiture de flic. Hein. Juste devant le commissariat. On s'en fiche, on ne respecte rien. Et c'est où? Ça va, c'est juste là-bas. On s'en fout de l'ordinateur de la police. Et on va passer comme ça. Petit dérapage contrôlé. Par contre, il pleut. Je suis blasé. Je suis vraiment blasé là. Putain. Ils sont vraiment partout ces flics. Sérieusement. Hop 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 hop. Bon ça va. Ça va. En vrai c'est comme si je les avais pas frappés. Ils me font rien. Putain. Bonjour monsieur. J'essaie de tourner. Je suis la police. Regardez. Mais qui comprend pas. Je suis la police. Mais c'est justement parce que tu as volé une voiture de police. Ah, très bien. Bon, en fait, si, ça va être chiant. Ils vont me choper un petit peu à un moment. Cassez-vous. Ici. Bon, il y a des gens chiants. Hop. Je passe. Merci. Merci, je passe. Bon. Bon, bon, bon. On arrive bientôt à notre bâtiment. Donc, de toute façon, ça nous fera semer les flics. J'imagine. Hop.
any means necessary. Donc ouais, par tous les moyens, il faudra le défoncer l'autre. Apparemment. Ça va, c'est pas trop gênant, bon, on peut faire la mission quand même. I'm outside the project. Where is he? Should be on the second floor. Keeps an eye on all his boys from up there. The guys you see are gonna be working for that scumbag in one way or another. Okay. Anyway, these projects all got the same layout. A staircase leading up on either side. Try to get off the ground floor before getting violent. Violent? Me? Yeah, you. Remember, you're doing a real service for the community by getting rid of this scumbag. Francis McCreary is the community now? You're starting to sound like your friend Manny. Qui est mort d'ailleurs? Alors, il faut le descendre. You. Limite, je fais ça, vous voyez. Oh, sérieusement. Bon, bah du coup, là, je tue tout le monde. Je sors un snipe. Les gens sont un petit peu soupolés. Bon, lui, il a pas l'air d'être vénère, donc. Putain, mais je suis en train de tirer sur des innocents, finalement. Bon, allez, on va choper l'autre. J'ai plus beaucoup de vie, hein. On notera. C'est bien par ici, les escaliers. C'est bon. Ok, c'est par ici. Ok. Très bien. Il me balance des poubelles. Tout va bien. Ah, tourne-toi. Ah, il y a de la vie. Il y a du heal. Voilà. Voilà. Bon, il fallait remonter encore. Hop. J'ai défoncé le pot. J'ai besoin d'un coup de main avec cette salope. Oh, d'où tu... Déjà, c'est la dernière fois que tu me traites de salope. Pas très... Moi, je trouve pas ça très sympathique. Oh. Vous là. Oh. Ouh, ça c'est bon, ça c'est réglé. Ok, on monte par ici. Et à un moment, on était à la même hauteur que lui. Oh, je pense que c'est fait exprès. On va l'exécuter, je pense. Yo, man, you got me, chill. I surrender. You wouldn't kill an unarmed man, would you? This isn't my choice. The police want you dead. Yo, it's that rat cop McCreary, ain't it? You don't like a younger brother with ass. Tell you what, I'll reform. I get out the game, get a GED or some shit. Make something. Alors, je sais pas, est-ce qu'on le laisse? I'm dead. Word. Come on, boss. Don't kill me, boss. Boss. Non, moi je suis pas d'accord. Oh, sérieusement. Du coup, j'ai les flics. J'aurais pas dû. Oh non, c'est chiant. Oh, c'est chiant quand même. Hein. Et comment je suis censé descendre? Ça m'a l'air bien compliqué hein, de le faire à la mano, on va dire. Je pense qu'on va y aller... Par les escaliers. Je pense qu'on va descendre par les escaliers. Ça m'a l'air d'être une solution intelligente. Et assez sécure. Hop. Hop. En haut, il y a des poubelles qu'on nous avait balancées tout à l'heure. Enfin, c'était pas le même escalier. Ok, on est au rez-de-chaussée. Par contre, il va y avoir les flics. Non! Et tous les gangsters par ici, ils veulent pas tirer sur les flics. Eh toi! Donne-moi, j'aurais dû monter dans la voiture. Bon, de toute façon, en fait, j'avais pas de destination où aller avec. Bon, j'ai pas la meilleure des voitures. Pour semer les flics. Il y avait des voitures un petit peu mieux devant. Je veux dire... Bon, on fait avec ce qu'on a. Et on va passer comme ça. Bonjour, mesdames et messieurs, je passe comme ça. Et tout ira bien. Voilà. On est sauvé de la police puisque c'est très rapide. Franchement génial. Ah non, on n'est pas... Attendez, on n'est pas dans la zone. Mais on est encore dans la zone, je veux dire.
Là on est dehors. Par contre la musique est arrêtée. C'est bon, voilà. Et on gagne 5000, ce qui nous permet de rembourser un petit peu ce qu'on avait, tout ce que j'avais payé avant. Donc, on peut aller voir Dwayne encore. J'ai envie d'aller voir Dwayne. On peut faire la mission de McCreary, de Francis, mais bon, j'ai fait deux dans cet épisode. On va aller voir Playboy X. Playboy X, c'est celui qu'on n'a pas vu depuis un moment. Paki, enfin Patrick, on va le garder pour plus tard. Hein. He tried to convince me to let him go. Said he'd get out of town. I finished him anyway. Good move. You shouldn't trust a word that comes out of that skunk's mouth. The streets are a little bit cleaner now he's gone. 1%. All we hope for. Whatever you say. They don't look much cleaner from where I'm standing. Ouais, bon du coup, je sais pas, j'ai l'impression que notre, par contre, le futur de Francis, je ne sais pas du tout, je ne sais pas s'il mourra à un moment, je ne sais plus, je pense que oui, hein, apparemment, ça, notre personnage n'a pas l'air de trop l'apprécier, hein. Je comprends pas pourquoi, ouais. Il me demande de tuer plein de gens, voilà, juste comme ça, hein, plus que bon. Alors, bon, Playboy X, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Mais il n'y a pas beaucoup de missions avec lui, donc je pense que c'est même dans les dernières qu'on a avec lui, après il nous lâchera. Aïe. Hop, 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 hop. On va passer comme ça. Et hop, allez, photoshoot. All good. Well, mostly good. Mostly? Yeah, Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever, we spoke about that shit already. Give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G, Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfucker's been calling me a phony, calling me a snitch. Calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you'll need this guy silenced? Yeah, he hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay, what does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now he don't flash his guap too much, but you can see it in his eye. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin, B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers, know what I mean? And sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Jesus. Here, take this. Head down there. Take a photo. Send it to me. And I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. No, oh, il m'offre un petit iPhone. C'est génial. Bon, à l'époque... et il est à l'époque iPhone 3, iPhone 2. Voilà. Bon, bon, il nous a donné un téléphone, on peut prendre son hammer à un moment. Waouh. Par contre, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Oh, c'est juste là, d'accord. Bah, il va pas très loin, hein. Il va pas très loin. Bon. Hop, là. What? Je crois qu'il a dit Jay's vagina. Ok, donc... Il a des fringues larges, il a un bandana. Il pénètre. Bon, allez, on va passer, on s'en fout de ça. Ouais, donc les pénétrators, hein, clairement. Ok, ne t'approche pas trop. Moi, je pense que c'est lui. Appareil photo. Voilà. Allez, je vais l'envoyer à Playboy X.
Est-ce qu'il va me dire que c'est lui? Ok. Ça me marque que je l'ai bien envoyé, non? Est-ce qu'il va m'appeler pour me dire oui, c'est lui? Je vois rien là-dessus. Prends une bonne photo de ces mecs. Ok, d'accord. Du coup, hop, appareil photo. Genre là, il va pas le voir. Genre là, il va pas le voir, tu vas me dire. c'est vrai, c'est normal. Ok, on a Playboy X, il va me dire oui. Bah, c'est le seul qui a un bandana, en fait. Donc, je vois rien. Oh, putain, fais chier. Vas-y, voilà, je suis là. Voilà, hop, appareil photo. Mec, je te prends en photo, hein, tu... Voilà, et là, là, il n'y a pas plus parfait. Bon, est-ce qu'ils ont des bandanas de l'autre côté? Je regarde, appareil photo. Non. Moi, je pense que c'est lui, là, celui qui est en bleu. Playboy. Message. C'est pas Marlon. Il a pas une autre bande dans le coin? PX. Ok. Playboy Hex. Hex. Répertoire. Non, c'est appareil photo. Hop, on fait capturer, envoyer. Bon, là, vas-y, il va tout me balancer. Hein. Il y a que ces 5 gars dans la zone. Il y a que ces 5 gars dans la zone. Bon, il va me dire lequel. Il va me dire, ouais, c'est celui qui a les manches rouges. Lequel des deux manches? Yo, Money. Marlon's the one in the black jacket. Oui, oui. Bonjour. Hop, tu restes là, hop, c'est bon. Ouais, j'ai eu un petit moment de pression, je me suis dit, putain, il va se casser ce connard. Eh non, c'est bon. Bon, du coup, c'est très rapide. Là, c'est encore très rapide. Allez, on va refaire une mission. Bah, Dwayne est juste à côté, on peut aller le voir. Oui, par contre, c'est chiant, ça. Oh, les flics. Ils sont un petit peu soupolés. Non, oh, mais je m'en fous. C'est bon, le killer slave. Oui, t'as raison. C'est justement, voilà, le pseudo sur les jeux en ligne de Monsieur Bellic, de Monsieur Nico Bellic. Bien sûr, le Slav Killer. Killer Slav. Voilà. Allez hop, bonjour, Dwayne, Undressed to Kill. Dwayne? What's up, man? Not much. How are you doing? Prison was easy compared to this shit. I'm sure it was. Fuck it, man. Fuck it all. I mean, I used to have everything. I used to run uptown. Bohan, all that shit. Now I ain't shit. Hey, let's get it back. Nah. I can't, man. I ain't got the energy no more. I've been stabbed in the back too many fucking times. There's bitches everywhere. Well, I'll do it. For you, I mean. Nah. Fuck that. Come on, man. Stop being so miserable. What did you lose? Shit, man. This club. I'm talking a real gentleman's place. Real gentleman's place. Triangle Club on Drill Street in Bohan. I'm talking real class. You know what I'm saying? When I went down, some fucking gangsters came and took it. Well, I'll clean out the squatters for you. No problem. Man, you the real deal. I owe you. Big time. But we'll talk about that later. Man, you the truth. You're the truth. T'es un frère, mec. Eh ben oui, on est un frère. Allez hop, on va au club de striptease. Let's go. Ouais, de toute façon, voilà. Du coup, il faut aller où? Ok, dans le club de striptease là-bas. Donnez-moi une voiture ou attendez. Non. Eh, bonjour. Voilà. Non. Connard. Nico.
Bah, je rigolais, je rigolais. Ah merde, j'ai viré. Quoi, ça me coûtera 2$? Ça me coûtera que 2$ puisque ça fait partie d'une mission de machin. Enfin, 25. Ah non, c'est 2$ dès le début. Ok, d'accord. The Triangle Club. Oui, oh, ça m'a l'air bien comme endroit. Allez, let's go. Hein. Sympa comme endroit. Bonjour, oui, c'est vrai. Ah, je suis désolé, voilà, c'est bon. Les armes sont interdites. Ouais, j'ai rien. Alors, les kills, les trois patrons. Putain, par contre, j'ai vraiment pas de vie. Hein. Écoute. Lui, c'est un vigile. Ok. Là. Where's Jose, man? He's in the back, but he don't want to be troubled. You know how he needs to concentrate when he's counting up that money. Ok. Donc il est behind. Ok, bon. Bon, on va prendre ça, ça ira plus vite. Ça ira plus vite. Voilà. Je sens qu'il y en a un qui va arriver derrière moi. Voilà, voilà. Oh, j'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Oh non, mais ça c'est... Ça c'est les... C'est les femmes de joie, ça. Non, c'est pas des femmes de joie, c'est des striptease. J'ai besoin de... d'être très jeune. Voilà. Non, ça c'est pas bon. Having a good day... Ah, oh, 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 casse-toi, toi. Oh, je vais mourir. Je vais tellement mourir. Toi. Oh, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Hop. Ouh. Je sens que je vais me faire tuer. Hein. Le dernier patron. Ah non, le dernier patron, je crois qu'il... Se trouve, il fuit. J'en sais rien. J'espère que je vais pas me faire surprendre. Je vais me prendre une belle balle. Oh, casse-toi. Ah non, il y en a un autre. Il est où? Ah, le truc d'à côté. Non? Ouh! Ouh! J'ai eu chaud. Je me suis dit, oh putain, ça va être trop lourd. Mais non, c'est bon. Bon! Oh! Je me demandais où il était quand même. La vraie musique. Vas-y, on s'en fout. Hop, allez, donc on est à combien de temps d'ailleurs? Ça fait 3 missions, 28 minutes, oh, c'est parfait, on va pouvoir s'arrêter là, pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire à vous abonner si ce n'est pas fait. Et la prochaine fois, on va se retrouver pour soit une mission assez spéciale de souvenir, qui popera à un moment, soit une mission de Paki, de Patrick, comment il l'appelle? De Paki, voilà, c'est Paki. Son surnom, hein, c'est Patrick normalement, et soit Francis, donc bon, on fera un peu de tout ça dans le même épisode. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire, vous allez si c'est vrai, on se retrouve la prochaine fois, allez, bye tout le monde.